D'accord, pourquoi pas. Laissez-moi en paix. Okay. Et vous n'allez jamais croire ce qu'on a trouvé ici. Il y a une urgence. Les gars, vous êtes en vie? Eh ben, merde. Amusez-vous bien. C'est parti pour le grand final. Putain de bordel de merde. Hey, y a quelqu'un ici? Frère! D'autres combats, d'autres morts. Je ne peux pas laisser faire. C'est vous? Où sont les sans-visages? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'entends votre voix dans ma tête? Enfant du soleil, Kyle. Il n'était rien avant l'épidémie. Une simple tradition à moitié oubliée.
une fois ancienne et disparue. Je suis fatiguée. Je porte ce titre depuis si longtemps. La mer. Il n'avait aucun sens. Et puis c'est devenu trop réel. Je pensais qu'il me respectait en tant que femme d'un colonel. Nous menions une vie agréable. Après l'épidémie, mon mari est venu me chercher. Nous n'avions aucune chance face à la horde. Nous étions mordus. Il est mort en sang, dans mes bras. Il m'a donné son étui à cigarette et m'a dit de fuir. Il ne voulait pas me blesser. Les adeptes m'ont emmené. Ils venaient pour leur mère. Je me suis réveillée, en bas, entourée par ce qu'il restait des gens qui m'avaient fait confiance. C'était à cause de la lumière. Quelqu'un avait pu rétablir le courant, et la lumière m'a ramenée. Tu vois, respirer les vapeurs est une chose, mais boire le liquide, c'est tout autre chose. Ok. C'est dégueulasse, la mâchoire toute cassée. Juste les vapeurs. Qu'importe, écoute-moi. Tu vas respirer les vapeurs. Ce sera plus long. Mais tu commences déjà à devenir un monstre comme moi. Non, attendez, la écoutez. La mère a prévu un garde-fou dans son expérience. Toute cette région peut être purifiée. La question est, es-tu prêt à sacrifier des milliers de vies, Kyle, dont la tienne?
Est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait tout péter? Ou alors est-ce qu'on s'en va avec les fioles? De toute manière, on pourra rejouer la quête, je pense. Et on a fait tout ça pour les fioles. Oh, l'explosion, c'était plus Alors, drôle. ça y est, c'est terminé. Je fais quoi maintenant? Au moins, ça évite un affrontement final, je pense. C'est pas grave, on rejouera cette quête pour voir l'autre fin. Alors, si votre dieu arrive, nous mourrons tous. Et l'épidémie, elle meurt avec nous. Cela a toujours été l'issue. Et il passera par les portes de la mort afin de pouvoir ramener la vie. Si ça tue l'épidémie, merde, ça en vaut la peine. Cela dit, cet endroit me fait pas trop penser aux portes de la mort. Un langage fleuri, n'est-ce pas? J'ai cherché des preuves, Kyle. La vérité dans nos traditions. Mais la mort d'Attila a brisé tous les espoirs. C'était ça la preuve. Que les miracles n'existent pas? Qu'est-ce qu'un miracle, Kyle? Devenir un rapace doué de conscience? Je ne suis qu'un monstre. Devenir un héros de l'apocalypse? Tu es la bonne personne. C'est donc ça, le garde-fou. Et pourquoi vous avez besoin de moi? La clé que mon mari m'a donnée était la bonne, mais pas les codes. Je sais que c'est le seul moyen, mais je ne sais comment faire. Les codes. Activer la tête nucléaire. Bon, je pense qu'on va finir ça sur une explosion. Pourquoi est-ce que je peux fouiller ça? Ah, dommage. Votre mari. Il avait aussi un garde-fou. Il a laissé les codes à Attila pour pouvoir décider si vous seriez assez sain d'esprit pour prendre une décision. Attends, tu as les codes? Attila pensait que tu serais meilleur juge. Dans ce cas, j'espère que tu me jugeras bien. Cessons cette folie, Kyle. Je t'en prie. D'accord. Et c'est ainsi. Non, tu te rapproches pas de moi comme ça. Attends. C'est ainsi que je faisais tout exploser. Ouais. De rien, de rien. Boum, petit, j'ai cassé. Je veux voir l'explosion. Quoi? On n'a même pas de visuel sur l'explosion. Mais c'est pas cool. Ah, on a le droit. Ah, on peut tout aller mettre. On peut tout faire accélérer en bas. Ok. Pas cool. C'est méchant même. Ouais, c'est pas cool. Oh, les gens. Alors, j'ai fait le petit passage pour aller on va voir le deuxième choix. Vous êtes folle. Je jouerai pas les dieux du soleil. Je veux pas participer à ça. Laissez-moi repartir avec les fioles. Tu comprendras-tu? Tu le verras avec mes yeux. Quel narcissisme. Toi, le dieu du soleil en personne. Je vais te montrer qui non. tu es. Là, qu'est-ce qu'elle me fait? D'accord. Ok. J'ai déjà tué pire que des rapaces.
Mais ce n'est qu'un détail. Allez, vas-y, viens te battre. Je vais t'arracher. Littéralement. Allez, debout. Allez, copain. Ouais. Les vapeurs sont très fortes ici, non ? M'en bats les couilles. Elles pénètrent la peau, les os. Comment ça va ? Le cerveau. J'entends tes pensées, Kyle. Même pas peur, moi. Tu as peur ? Non, même pas vrai. Je viens te trouver. Ok. Wouah ! Casse-toi ! Elle a le droit de se téléporter comme ça ? Wouah ! C'est légal ça ? Est-ce je suis pas d'accord. Ah bon ? Bah si, je vais me gêner. Allez, venez. Oh, et sur vos culés, c'est pas marrant, allez. Y'a beaucoup de zombies. Moi, je m'en fous, j'ai pas de respect. Tu décèdes. Meurs, meurs. Me des coups dans le vide, on sait jamais, des fois que ça marche. Je survivrai. Ne tuerai pas. Mais moi je vais affronter la vraie parce que vos copies elles sont pas drôles. Elles ont pas d'humour, elles tapent dans le vide. Moi aussi je peux avoir de l'humour. Regarde, comme ça. Tu dégages. Tu dégages. Coup de pied, coup de pied. Je te casse la tête. Ouais. Foutez-moi la paix. Meurs. Wow, mais vous êtes nombreux. On bat les couilles, moi. Je vous casse. Je vous détruis. Ah. Mon arme est cassée. Je te casse. Est-ce qu'il y a un moment où ça aura de l'intérêt? Ah, voilà. Ah. Je vais courir plus vite et devenir plus fort, ça que ça veut dire. Ouais. Oh putain. Oh. Eh, venez, je vais me battre. Apparemment je peux devenir plus fort et plus rapide. Ouais, tu parles, je suis juste une merde. Laissez-moi. Ah, je suis comme vous. Je peux vous échapper. Comme as. Je veux pas être aussi faible que vous, c'est pas marrant. Je te défonce. Pardon. Ouah, mais... Les patates elles font mal en fait. Venez vous battre. J'ai pas peur de... Ok, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ah, là on va pouvoir parler à faire. Non. Non. Oh, je te tue. Oh putain, elle fait mal. Tu... moi je dis déjà c'est de la triche parce qu'elle crie très fort. Meurs, meurs, meurs. Attends. Du coup, il y a un moment où je suis censé ne pas mourir dans l'histoire. Calme-moi tout ce qu'elle m'enlève de vie. Attends. Eh, mais je régène. Casse-toi. Casse-toi. Ah. Mais t'es sérieux? Non, t'es sérieux. Alors, deuxième message. Ah, bonjour. Justement. Parlons-en. Oh. Oh. Si je la laisse pas s'en aller. Ah, c'était trop haut pour de vrai. Oh, j'ai voulu tenter le coup de pied mais ça a pas marché.
Je te casse. Je te détruis. Tu meurs, salope. Aïe. Je suis pas d'accord. Moi je dis elle fait mal. Ah. Oh sa mère. Tu me... Le gaz il fait beau. T'es sérieux, je la tue à moitié, elle me fait ça de dégâts. Laisse-moi un peu. Je régène. Non mais j'étais en train de régène là, tu fais chier. Attends. Mais waouh. Je peux même pas régénérer en paix. Madame, arrête de te mettre devant moi. Ok, maintenant pour parler. Où es-tu? T'as pas le droit de sauter. Tu me laisses te frapper. Crie pas. Elle court en mode YOLO et moi je la frappe sans aucun respect. Non! T'as pas le droit de faire ça. Bon, en revanche, je vais te tuer. Oh putain. Non, c'est elle qui va me tuer là. Tu fais trop mal, madame. Mais moi, je sais me régénérer. Tu te calmes. Tu me laisses te tuer. Non mais j'ai compris ta technique, ça marche pas. Aïe. Je vais te tuer. Non. Fais-moi la paix. Casse-toi. Meurs. Boom bitches. C'est toi que je vais tuer. Oh le style. Toi d'abord, saleté. Ouais, trop d'accord. Je sauve mes amis et tu pourris en enfer. Ouais, trop d'accord. Ok, quoi, il se passe quoi? Ah, depuis le temps, tous les gens dans la tour ils sont morts là, c'est obligé. Qui se passe? Tu me ferais bien changer, Kai. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas voir par toi-même. Non. Je t'ai tué. Je t'ai tué, merde. Ceci est un poison. C'est pas du poison, c'est l'antidote. Léla. Léla, je reviens avec l'antidote. On va pouvoir soigner tout le monde. Dis à Camden qu'il a tout son temps. Qu'il a tout son temps maintenant. Non, dis-lui qu'on a une nouvelle piste. Encore meilleure. On est où? What? L'infection est finie? Oya, on rentre à la maison. C'est quoi ce bordel? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh bordel. Ouh, c'est violent. Et c'est ainsi que nous... Bise zombie. Chasseur nocturne. En bref, l'extension, en fait, elle a bien déchiré et on sait maintenant d'où vient le bise zombie, le petit chasseur nocturne. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Allez, hop.
travail.